à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel de blues. Aujourd'hui, nous voyons la main gauche et plus particulièrement ce qu'on appelle une walking bass. Alors, pour le principe, une walking bass, c'est une basse qui se joue à la noire, donc ça veut dire 4 notes par mesure, et puis qui va en fait se balader sur les accords. Donc entrons dans le vif du sujet. Si on part du Do, ce qu'on aimerait, c'est arriver sur le Fa à la cinquième note. Sur le Fa ou sur une des notes de l'accord de Fa, au moins que ce soit représentatif. Évidemment que le Fa, ce sera la note la plus simple à trouver. Et puis on va partir directement sur le Do. Alors, évidemment que si je fais 1, 2, 3, 4, en parcourant la gamme, j'arrive sur le quatrième. Ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un passage en demi-ton qui va permettre de rajouter une note qui ne fait pas partie de la gamme, mais qui donne tout son sens. Par exemple, ici, on va faire... Voilà, ça c'est le début, donc Do, Ré, Mi bémol. Ici, on va devoir faire deux accords sur une mesure, Fa, et puis Fa dièse diminué, donc, et puis ça. Dans le Fa dièse diminué, il y a presque les mêmes notes que le Fa, sauf qu'il y a le Fa dièse. On a vu qu'on pouvait de temps en temps jouer une noire, donc un demi-ton qui ne fait pas partie de la gamme. Donc ici, ce que je vais faire, c'est partir du Fa, et directement faire le Fa dièse. C'est un peu de la triche. Donc Fa, 1, 2, et puis comme je veux aller sur le Do après, et puis que finalement on peut très bien aller sur une note de l'accord de Do, à savoir ici j'ai choisi d'aller sur le Sol, donc on va aller sur le Sol. Donc Fa, Fa dièse, et comment aller sur le Sol? On va le faire en demi-ton et en descente, donc on va aller sur le La. La qui est aussi une des notes de l'accord d'ailleurs. La, Sol dièse, Sol. Je vous reprends depuis le début. Do. Fa. Et puis le Sol qui va nous permettre d'être au moins une des notes de l'accord de Do. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer les notes de l'accord de Do, en l'occurrence. Mi, Do. Et ensuite, il va falloir descendre sur l'accord suivant. C'est un Sol mineur 7. Une des notes caractéristiques du Sol mineur 7, ici, c'est évidemment la tierce, parce qu'elle est mineure. Et cette tierce mineure, du coup, elle nous donne un Si bémol qui n'est pas sur la gamme de Do. Et ça, c'est intéressant de la faire à la première note. En tout cas, c'est ce que je trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on était parti du Do. Donc, Sol. Et puis, on aimerait aller là. Donc là, c'est facile. On va jouer le Si. Et puis, pour l'accord suivant, on arrive sur le Si bémol. Et puis, on est dans la même mesure et on va aller sur le Do. On va pas s'embêter. On va faire Do dièse. Do dièse Do. Et pour atteindre l'accord suivant, il faudra aller en Fa ou en La. Ici, le parti que j'ai choisi, c'est d'aller en Fa, donc Fa dièse Do. Alors, je reprends depuis le Do, donc on est à Sol. Là. Sol, Mi, Do, Si. Si bémol, Do dièse Do, Fa dièse, pour arriver en Fa. Maintenant, on va faire Fa sur 4 temps, et puis Fa dièse diminué comme avant, sur 4 temps cette fois. Donc là, on a un peu plus de temps. Ici, alors on va monter. Fa, Sol, Sol dièse, La. Il
ici parce que le La est un tierce du Fa, donc ça tombe très bien. Et puis 1, 2, 3, 4. Alors quelle note on peut faire qui va bien ensuite? Là j'ai choisi de faire le Do, pourquoi? Parce que le Do se trouve aussi dans l'accord de Fa. Fa dièse diminué, pardon. Et puis que je voulais pas retomber sur ce Fa dièse qu'on a déjà fait pas mal de fois. Donc je vais partir du Do. Et comme le Mi bémol est aussi dedans, je vais monter dessus. Je reprends depuis le Fa. Et on retombe sur le Do, vu que j'étais là, vu que j'étais au Do. Je vais partir sur le Mi, je ne vais pas rester sur le Do. Ce serait pas très joli en fait de rester deux fois, de faire deux notes de suite sur la même note en l'occurrence. Donc on va aller sur le Mi. Et là ce qu'on cherche à atteindre c'est le La. Donc ça c'est facile. Alors là on pourrait faire Si bémol. Ici, moi, j'ai choisi de faire les deux marches, à vous de voir. Dans la partition que je vous ai mise, c'est depuis le sol dièse, mais vous pouvez faire le si bémol. Donc, on repart, mi, sur le do, mi, ré, do. Il faut aller à Ré. Ici c'est facile parce que de là à Ré on n'utilise que les notes blanches. Donc Ré. Ici de Ré à Sol c'est aussi facile parce que il nous manque une note, donc on rajoute une note. En l'occurrence je choisis celle-là parce qu'elle est juste à côté, ça aurait moins de sens de faire ça. Le mieux c'est de se rapprocher au plus de, je pense que le demi-ton juste avant une tonique ou juste avant la note qui marque la prochaine mesure ou prochain accord, c'est beaucoup plus cohérent. Donc Ré, Mi, Fa. Et puis là, on va aller à Do, La, Ré, Sol. Donc, commençons par faire Do. Ici, je choisis de faire Sol dièse. Vu qu'il y a déjà un demi-ton entre Si et Do. Faire très simple, on va prendre chaque fois une noire en dessus ou en dessous de la tonique et puis on va ensuite tomber sur la tonique. Alors on va reprendre depuis le Ré. Choisissez, soit vous prenez le Si bémol, soit vous prenez le Sol dièse. Et puis là, vous prenez soit le Do dièse, soit le Mi bémol, le Mi bémol. Et ici, vous choisissez soit le Fa dièse, soit le Sol dièse. Plus accéléré, on va dire. Donc Fa dièse, La,
sol dièse, sol, mi do, si, si bémol, do dièse, do, fa dièse, fa, sol, sol dièse, la, do, ré, mi bémol, do, mi, donc là, on descend sur le ré. Au niveau du doigté, alors je peux pas vous dire que je vais jouer chaque fois la même chose, donc je vais essayer de vous montrer ce qu'il faut faire pour pas trop se tricoter les doigts. Donc je pense qu'au début, on devrait bêtement suivre en partant du 5 et en allant jusqu'au pouce. Et puis après, mettre le 3. Tomber sur le 4 voire le 5 ici, ce qui va nous permettre, ce qui nous permettra de mettre le pouce ici. Ici, si on met le 3, on peut faire 2, 1 comme ça, mais si vous faites le 2 là, vous pouvez très bien faire ça. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais bon. Ensuite, on arrivera sur le 5 ici. Pouce. 3, 2, 4. Sur le 3 et puis 5. Quatrième, ce qui nous permet ensuite d'avoir le pouce sur le dos. Puis ensuite, quand vous avez ça, ben vous vous exercez à jouer, mais déjà très tranquillement. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce tutoriel. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes intéressé par mes vidéos, alors je vais faire comme tout le monde, je vais vous dire abonnez-vous. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est de poser des questions si quelque chose n'est pas clair. C'est vrai que la basse, c'est pas mon instrument. Si vous avez des suggestions d'amélioration, alors c'est toujours un plaisir. Voilà, alors je vous remercie et puis passez une bonne suite de semaine et à tout bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.